Aujourd'hui, nous allons parler avec Célania. Célania a 28 ans, elle est entrepreneur. Célania a reçu une demande en mariage. Mais avant d'accepter cette demande en mariage, elle a un aveu à faire à l'homme qui serait potentiellement son futur époux. Un aveu très lourd. À tout à l'heure. Une chaîne de télé, quatre femmes, des sensations fortes, des palpitations, de l'émotion, mais surtout de la zen attitude. Yeah! Ouh. Namasté! Namasté! Zanime-toi! C'est bête ou bien c'est... Mais chaque chose en quoi... Alors, comment ça va, les filles? Très bien. C'est l'émission qu'on aime. L'émission en question. Les femmes d'ici, c'est notre émission. Les femmes d'ici, on a dans le sang. Les femmes d'ici, c'est ça qui nous rend heureuses. Ouais. Mais surtout, cette petite rubrique-là, ce petit truc qu'on est en train de faire, là, où il y a les aveux, les confessions, ouais. C'est doux. C'est doux, il y a le miel dedans. C'est doux. Alors, je rappelle, hein, on vous l'avait dit depuis, que si vous avez des aveux à faire, si vous avez des confessions à faire de quelque nature que ce soit, écrivez-nous, appelez-nous sur le numéro qui va s'afficher à l'écran. Aujourd'hui, on reçoit Célania qui a un aveu à faire. Zia Célania, on l'applaudit. Oui, Célania, 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 oh, faut t'élever un peu. Nous-mêmes, on ne sait pas, tu vas venir parler de quoi, mais on est déjà enjaillé. Ah, Célania, j'espère que tu n'as pas tué l'homme. Célania, tu es stressée? Ça va? T'as pas peur? Juste un tout petit peu. Un tout petit peu, viens, je te fais un gros câlin, ma chérie. Oh, Célania. Merci. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile ce que tu viens nous dire là, à la télé. Alors, Célania, aujourd'hui tu es là parce que tu as un aveu à faire à un homme qui a demandé ta main. Mais avant d'arriver à ça, on va aller dans le passé. D'accord? Cet homme-là, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Christian Melej. Il s'appelle Christian Melej. Oui, ça n'a du coup en plus. Ça n'a du coup. Oui, il y a du coup. Ok. Et c'était qui? Vous êtes connu depuis combien de temps? Raconte-nous tout le parcours avant d'arriver à ce qui s'est passé à la confession. Mais pendant que tu racontes, on va te poser quelques questions, hein, histoire de bien comprendre. Donc, qui est Christian Melej? Que vous êtes rencontré quand? On s'est rencontré, si je me souviens très bien, en 2015-2016. D'accord. À la Palue, bien une amie qui faisait une fête. Qui m'a invité. Il me dit, toi, t'es tout le temps coincé à la maison parce que à la maison avec papa, si c'est pas église, école, maison, on sort pas. Ouais. T'es tout le temps coincé. Donc, j'ai dû inventer une histoire. Tout le monde l'a fait, je pense bien. Non, on va étudier chez une amie et puis bon, on est allé faire une soirée. Et c'est là-bas qu'on s'est connus. Et on a échangé. Comme le fil est passé, on a échangé les numéros et après ça, on s'est vus. On s'est revus, on a parlé beaucoup et puis ça a collé après. D'accord. Et vous avez commencé à sortir ensemble. Et c'était bien? Tu l'aimais beaucoup? Ah, vous n'avez pas eu de rapport? En même temps. Voilà. Uh-huh. Pas de rapport sexuel, on va dire. On n'a pas eu de rapport sexuel en même temps. Je crois bien que ça fait plus d'un an et demi, je pense. Un an de flirt. Voilà. Vous êtes restés ensemble combien de temps? Pardon? Vous êtes restés ensemble combien de temps? Je crois 4 ans. 4 ans? Quand même, hein? 4 ans. Toujours dans le flirt, hein? Non, pas dans le flirt. Après les un an et demi que j'ai fait attendre, après on a eu des... Parle-nous un peu de ta relation avec lui, comment c'était? C'était bien? Bon, c'était bien, c'était bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu étais amoureuse? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne marche plus au bout de 4 ans? Bon, moi, je ne sais pas avec lui, parce que moi, j'ai mis les organes.
J'ai vraiment mis les oreilles, j'ai vraiment mis le cœur. Ah, ça s'est gâté alors ? Ouais. Ah, ça, je ne savais pas. Bon, d'accord. C'est moi qui... Bon, moi, je ne sais pas si lui, il a eu mal, vu que c'est lui qui m'a laissé. Moi, j'ai eu... Voilà, moi, j'ai eu plus mal. Mais il t'a laissé après 4 ans. Pourquoi il t'a laissé ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Bon, j'étais chez moi, un de ces 4 matins. Et puis, il y a un numéro qui m'a appelé un après-midi. Voilà. Et elle m'a dit comme ça que... On a un petit ami en commun. C'est dit, moi, celui avec qui je suis là, ça fait bel et bien lurette qu'on est ensemble, donc je ne sais pas. Elle me dit si. Donc c'est la fille qui te dit que toi et elle, vous avez un petit ami en oui, commun. En commun. Mais les filles d'Abidjan sont blindées, hein. Mais non, mais Kadi, ce qui te fait pas mal encore, c'est que ce qui fait rire, pendant qu'elle est à peur, vous avez dit qu'on a quelqu'un en commun là. Toi-même, tu sais que vous êtes au moins 5 à avoir le même gars en commun. Mais c'est elle seule qui a chargé ça comme bassine. Pour l'avoir maintenant dans le problème, c'est pas où elle va faire demi-tour. Ah, nous, on a quitté là-bas. Hein. Allons-y, donc, bébé. Donc, c'était comme ça. Et vu qu'on était dans le même rayon, pas trop loin, donc je lui ai demandé, vu que moi, je suis très faible, je lui ai demandé où est-ce que vous habitez. Elle m'a indiqué. Je lui ai dit, bon, c'est pas loin parce que moi, je suis dans telle cité. Donc, on se croise à tel carrefour pour pouvoir en parler. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est croisés. Toi et puis ta rivale. Oui. Toi aussi, hein. et après ça... Voilà. Vous avez parlé. Oui, oui, on a parlé. Parce que je voulais bien comprendre. Il ne m'a pas donné de soupçons. Il n'y avait pas de soupçons. Il me faisait croire que j'étais vraiment la seule. Vu qu'à la maison, ses parents me connaissaient. C'est ça. Et puis à la maison aussi, ma mère le connaissait. Pas mon père, mais ma mère le connaissait. C'est ça. Donc, j'ai dit, OK, on s'est vu. Elle dit, bon, comment ça fait pas pas mal de mois, vu qu'ils ont fait des mois qu'on est ensemble, moi, je préfère laisser cette relation-là. Elle quoi? Oui, elle, ce qu'elle a décidé. Moi, j'ai dit, OK. Mais lui, il n'était plus dans le truc, en fait. Ah, donc, est-ce que tu l'as confronté? Oui, j'ai confronté. Lui? Lui. Bon, quand on l'a confronté à deux, en fait. Ah, comment ça? Vous l'avez fait venir le jour où il de la. Mais attends, toi, tu es quelle ethnie? Fibété. Ah, je comprends. C'est ça. Ah, je comprends. Bété au sang glacé. Bété au sang glacé. Donc, le jour de la rencontre, vous l'avez il est venu. Vous retrouvez, vous deux? Oui, mais il a préféré elle. Ah, comment ça? Moi, j'avais une amie qui savait bien qu'on était ensemble, une pote. Elle m'a dit ton affaire de Chris, là, moi, je t'ai parlé de ça. Tu as trop mis ton cœur. Tu sais même pas si le gars, il te fait. Ils te vendent des films, en fait. Ouais. Voilà. Oh my God. Mais voilà, maintenant... Et il a choisi. Ouais, il a choisi, elle. Il attends, a comment? Je veux comprendre. Elle, vous étiez assis à trois et on il a décidé qu'il va avec de elle ou ça s'est passé devant toi? Bon, moi, quand il est venu, qu'il nous a vus, il s'est retourné, au fait. Ah, d'accord. Et après, vous vous êtes reparlé? Non, c'est bon. Moi, j'ai fait une nuit blanche. Ah oui, il y a de quoi. Mais il y a de quoi. J'ai fait nuit blanche et c'est le lendemain matin. Si je vous dis à l'heure même que je suis partie, vous serez étonnée. Je suis partie à 5 heures. Chez lui? Oui, je suis retournée à 5 heures. Il a dit que c'est ma CP. Ça, c'est nous, on est capable de faire les choses comme ça. Quand tu es retournée, j'ai vu, d'abord, lui, chez lui? Il n'était pas... Non, c'est son ami que j'ai appelé parce qu'il était sorti au fait avec... La fille. Fille. Wow. Mais la fille aussi, elle est mauvaise, hein? Non, mais lui-même. Mais la fille aussi. Non, mais bon, il a bon ça, mais lui aussi. Non, mais écoute, les hommes, c'est que quelqu'un ne va pas dormir à cause de toi. Et puis toi, tu t'en te promènes. Mais tu les as vus les deux ensemble. Est-ce qu'il a su que j'ai dormi ou pas? Il ne savait pas. Il s'en fout, il lui veut régler avec la gueule. Et la nuit, il est reparti avec la fille là pour sortir. Ouais, c'est sûr. Et la fille aussi. Mais à quel moment la fille t'a dit qu'elle veut laisser le gars? Et puis, c'était avant la confrontation. Avant la confrontation. Mais donc, c'est la veille, elle dit, elle veut le laisser. Pourquoi la nuit, là, elle est avec moi? Mais c'est femme, c'est femme. Si la veille te dit que c'est toi, je veux. C'est ça. Affaire de cœur, là, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, d'accord. Ensuite? Et ensuite de cela, quand j'ai parlé à son ami avait dit qu'il allait parler avec lui. J'ai dit, OK, pas de problème. Les amis bizarres. Les amis bizarres, en tout cas. Quand il m'a vu, il m'a dit que non, lui-même, il ne sait pas. Quand on a causé après, je crois aux environs de 7 à 8 heures, il m'a dit lui-même, il ne sait pas dans quoi il s'est mis, mais la fille, là, vraiment. Qu'est-ce qu'elle a fait? Si elle a mis, je ne sais pas, dans un canari ou quoi, mais il est vraiment tombé amoureux d'elle. Belle excuse. Il est vraiment tombé amoureux d'elle. Que... Chérie, je suis tombée dedans. Oh, oh, oh. C'est ça, il est tombé dedans. Oh, oh, oh. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. D'accord. La suite de l'histoire. Donc, c'est un peu ça. Et puis après, donc vous êtes séparés maintenant. On s'est séparés. Officiellement, c'était fini. Comment tu as vécu? Comment tu as vécu la rupture? C'était vraiment douloureux. C'était le premier, le plus fort.
Ah oui, ben oui, en plus 4 ans, c'est pas 3 jours. C'est, hein. C'est lui qui m'a fait goûter aux fruits défendus. C'est normal, on n'oublie jamais son premier. Quoique moi, je sais même pas. Ah, si c'était pas le premier, vous allez me faire faire. Oh my God. C'est la vérité. Après, qui t'a fait oublier le premier, c'est normal que tu ne non, te rappelles pas. Non, c'est toujours. Je rejoins Kadi. Moi, tu sais, je suis comme toi. Quand je vois les gens parler de leur premier, elles ont des discours tellement trucs. Je dis, mais ça ne met pas de quoi. C'est le deuxième. Parce que le premier, tu sens rien. Non, tu sais pas, premier, tu es là, tu te dis, tu vas faire comme dans les films. Là, mais son deuxième, ah, bataille de Gedi. Tu connais la transpiration en bas des draps. Je sais pas si t'as pas lu, façon. Non, presque. Je connais. Le premier, l'expérience, c'est jamais. C'est rare que les femmes disent qu'enfin, ça peut arriver, mais le premier. C'est ça qui fait mal, mais on veut pas se rappeler. Il y en a d'autres, les. Enfin, d'autres. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a une histoire qui suit son cours. Allons-y. Ressaisissons-nous. Ensuite, c'est Lania. Maintenant, tu n'étais plus avec lui. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as rencontré une autre personne qui t'a fait oublier? Combien de temps après? Je dirais 4 à 5 mois. D'accord. Eh bien, Dieu merci. Voilà, pieds sur caillou. Tu es une belle femme, c'est normal. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mon cœur, là, c'est un peu bizarre. Je tombe vraiment tellement dans les pommes. Oh. Je suis tombée encore amoureuse d'un autre. Avec qui... I feel you. Mon deuxième. Avec qui j'ai eu un enfant. Un enfant. J'ai eu un enfant. Vous avez fait combien de temps ensemble? Bon, nous, on n'a pas, pas... On t'entend pas bien On n'a pas trop duré ensemble. OK, d'accord. Ouais, deux ans et demi, voilà. Tu étais amoureuse aussi D'accord. Et puis, bon, il y avait trop de trucs aussi, vu que c'était quelqu'un qui était... Arrivé, c'était un moment, ça devenait lourd. J'ai pensé pouvoir supporter son comportement, parce qu'il y a un adage qui dit c'est l'homme qui fait changer l'homme. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je pensais pouvoir le faire changer, mais il n'a pas changé jusqu'à là. C'était quoi son comportement que tu n'aimais pas? Bon, il était un peu impulsif. C'est-à-dire, une fois dans notre expérience, il était colérique. Qui t'a marqué? Il t'a jamais, il t'a frappé? Il te frappait? Oui, il me battait. Ah, là, c'est ça, il n'y a pas d'excuse là. Pendant que tu étais enceinte? Non, pendant que j'étais enceinte, il a stoppé. D'accord. Il a stoppé, mais je n'étais pas près de lui même quand j'ai accouché, j'étais en famille. Ok, et l'enfant à quel âge? Deux ans. D'accord. Et donc, tu as quitté ce monsieur-là aussi. Et. Tu as retourné avec une autre personne? Non. Ah. Tu n'as rencontré personne. Non, personne. Très bien. Dis-nous alors, celui qui t'a demandé en mariage, c'est qui? C'était mon premier. Ah, c'est le premier est revenu. Il est revenu. Deux jours, là, t'es pas là. Pour faire quoi? Bon, moi, je sais pas. Il avait une demande ta main, quoi. Voilà, demander ma main, je sais pas pourquoi, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Rewind, reviens en arrière. Quand tu t'es séparée du gars, à quel moment il est revenu dans ta vie? Ça, c'est l'intérêt d'expliquer, là. Mais à quel moment, précisément? Est-ce qu'il est revenu? T'étais toujours en couple avec le père, de ton enfant ou t'étais plus en couple? Ok. Dans ton goumen et ça? Mais il t'a appelé, il t'a passé. C'est un jour comme ça, ton téléphone sonne, il t'a appelé ou bien vous vous êtes croisés? Non, tu vois ce que je veux dire? Comment? C'est sur Messenger. Ah, d'accord. Mais t'as. Et alors, je ne sais pas, peut-être qu'il a vu mes mises à jour. Peut-être qu'il a vu mes mises à jour. C'est quoi ta mise à jour? Je ne suis plus en couple. Non, les mises à jour, les photos. Des photos. Ah, des photos, que story. Peut-être des amis lui ont parlé, ce genre de truc. Et puis bon. Donc quand il est rentré en contact avec toi, qu'est-ce qu'il t'a dit concrètement? Donc, il voulait retenir avec moi d'abord, qu'il s'excuse pour tout ce qui s'est passé, que vraiment, il ne savait pas qu'est-ce qui... se passait vraiment dans sa tête. Ok. Voilà. Qui s'excuse vraiment parce qu'il sait qu'il m'a beaucoup blessée. Mm-hmm. Voilà. Donc il s'excuse que si on pouvait avoir un date pour pouvoir discuter. Parler, un rendez-vous. Pour pouvoir en parler. Moi je lui ai dit en ce moment je peux pas. C'est ça. Je peux pas parce que tu es une personne que j'ai beaucoup aimée. C'est ça. Voilà. Et tu m'as beaucoup blessée. Voilà. Tu m'as beaucoup blessée donc. Je préfère rester un moment, essayer de réfléchir et puis on va voir après. Parce que si on veut bien voir Célinia, c'est parce qu'il y a eu cette histoire, Goumin, cinq mois, que tu t'es retrouvée dans la main du deuxième, où tu as cru aussi que tu allais avoir réconfort. Mais malheureusement, c'est un manipulateur et tout. Et puis, tu es tombée enceinte de lui. Mais alors, est-ce qu'il sait que tu as un enfant? Oui, il sait que j'ai un enfant. Mais malgré ça, il veut revenir? Ouais. Ah, il sait que tu as un enfant? D'accord. Mais finalement, vous vous êtes vus, vous avez parlé?
Pas encore. Pas encore. Ah, ok. D'accord. Donc c'est après ça que tu as eu l'idée de venir justement ici. Parler ici pour que vous, tu le confrontes en, aux yeux du monde. Mm-hmm. C'est pas une mauvaise idée. Alors, c'est très bien. Sylania. C'est ça ce qu'elle a dit. Non, c'est pas ça. Alors, Sylania, tu veux lui avouer quelque chose aujourd'hui? Oui. Au-delà du fait que tu as un enfant. Mm-hmm. Mais il t'a dit qu'il est prêt à se marier avec toi et tout. Mm-hmm. D'accord? Ce que tu veux lui avouer aujourd'hui, c'est quoi exactement? Me positionner au Seigneur, mon cœur bandé, c'est moi. Mmh. Attendez, je vais bien m'asseoir. Je veux lui avouer le fait qu'il sache qui est le père. Qui est le père de l'enfant. De l'enfant, parce qu'il ne sait pas. Oui, il ne sait pas. Mais il le connaît. Il le connaît. Très bien. Kinkéon. Niawo. On va marquer une pause publicitaire et se retrouver tout juste après pour découvrir ce que nous cache Sylania. À tout de suite. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est Confession. On parle avec Sylania Zia. Sylania. Ouais. Sylania, merci beaucoup d'avoir accepté déjà l'invitation. C'est pas facile ce que tu es en train de faire. Tu en es consciente? J'attends les jugements après. Tu attends les jugements après? Après, oui. Mais c'est ta vie, tu vois. Mmh, c'est ta vie. Mmh. Hein. Tu, c'est un choix que tu assumes. J'assume effectivement. Très bien. Mmh. Donc, avant de partir en pub, tu nous disais que Meledj t'a demandé en mariage cette fois-ci. Il veut revenir avec toi, mais tu veux lui avouer qui est le père de ton enfant. Est-ce que tu sais que Meledj est là en ce moment? Moi, c'est Christian Meledj, agent commercial pour une société de courtage en assurance. Ok, vous êtes arrivé ici, c'est pourquoi? Là, vraiment, c'est maintenant que je veux savoir. Parce que je ne sais pas pourquoi je suis là, parce que j'ai une surprise. Non, la raison pour laquelle je suis là. Et curieux, vous êtes venu? Ah oui, très curieux pour en savoir et puis finir avec tout ça parce que bon, je le traque. Je vais voir ce qui est des. D'accord, on part en salle publique et vous saurez pourquoi vous êtes là. D'accord, parce que ça marche. Il est là, il est à NCI et il regarde l'émission en ce moment. Ça va? Ça va. D'accord. Ça va. Et donc, tu vas continuer ton histoire? Ok, pas de problème. Il y a quoi mon cœur? J'ai peur même moi-même. Avant juste que on continue, je voulais juste savoir. Il t'a demandé en mariage, mais est-ce que toi, tu aimerais, après avoir avoué ce que tu as avoué, est-ce que s'il était d'accord avec ça, tu serais prête à l'épouser malgré tout ce qui s'est passé entre vous? Ça serait un peu difficile. Donc l'objectif, c'est vraiment de lui avouer de ça, tout en n'espérant pas le mariage d'abord. C'est que je l'aime, mais bon. Mais tu sais pas encore. Ça sera peut-être une construction, un nouveau départ, le fait de savoir que voilà, maintenant... De nouvelles bases, au fait. Exactement. Ah ben forcément. Et tu sens que maintenant, il fait beaucoup d'efforts? C'est ce qu'il montre. Est-ce que c'est réel? Ah, ma fille, ça s'adhère. Nous tous, on est même la vieille. Après, je comprends, elle se méfie un peu au vu de ce qui s'est passé. Mais... Chérie, moi, je ne porte plus gain à cause de ça. Il y a trop de... Est-ce que Christian Meledj nous voit en ce moment? Christian Meledj, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? La raison pour laquelle je suis là. Oui. Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que tu as entendu tout ce qu'on a dit tout à l'heure? Rien. Tu n'as rien entendu? Non. D'accord. OK. Est-ce que tu connais Zia Sylania? Oui. Tu la connais bien? Oui, je la connais très bien. D'accord. Zia Sylania est là. La voilà. Sérieux? Et elle a quelque chose à t'avouer. Ah bon? Ouais. Et juste après son aveu, tu vas nous rejoindre sur ce plateau. Il n'y a pas de souci. On va donc écouter Sylania ensemble. Tu veux? Ok, avec plaisir. C'est bien. Sylania, quand tu vois
Je vois que tu as les larmes aux yeux. Je vois que mon cœur palpite un peu, mais ça va. Ton cœur bat. Mon cœur palpite. Il y a quoi ? Parce qu'il est beau. Bah oui. Ah, il a des boucles d'oreilles et tout ça. Ah, c'est un bon chien, bébé, c'est un bon truc. Et son sourire. Alors, yes. Maintenant, tu vas nous dire ce que tu veux avouer à Christian Mellege. L'aveu que je veux lui faire, c'est que l'enfant qu'il connaît, qui est fils. Oui, mon fils, qui est le mien, est de l'un de ses cousins, en fait. Ah. L'un de ses cousins. Ah. 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 Au moment où tu as eu l'enfant avec son cousin, tu n'étais plus en relation avec Mellege. Est-ce que tu savais que c'était son cousin ? Pas du tout. Tu ne savais pas. Tu es sûre ? Est-ce que le cousin savait que tu étais l'ex de Mellege ? Non. Il ne savait pas. Les deux cousins ne se connaissent, enfin, ils ne se fréquentent pas réellement, c'est ça ? Ils ne se fréquentent pas. Comme ça. Voilà, comme ça. Mais comment tu as su que c'était son cousin ? Mais lui, son cousin, lui ne savait pas du tout que toi, tu étais sa copine pendant 4 ans de relation. Non. Je n'aime pas trop parler de mes relations passées. Donc, j'ai préféré garder ça secret. Ou ça se trouve, peut-être qu'il savait, mais il t'a fait semblant de ne pas te le dire. Bon, non. Peut-être parce que, comment je l'ai su, c'est un jour, il fouillait dans sa galerie et j'ai vu la photo de Christian. Et je lui ai demandé comme ça, tu connais ce jeune homme-là ? Il m'a dit oui, que c'est un frère à moi. Il dit un frère, comment ? Un ami ou bien je ne sais pas. Il dit non, on est parenté. Il dit c'est pas vrai. Et c'est comme ça que je lui ai expliqué l'histoire. C'est-à-dire que quoi ? Quand on dit parenté, c'est cousin, genre son papa et le papa de Christian, son frère ? Est-ce que c'est cousin vraiment proche comme ça ? Pas cousin proche. Oui. Cousin éloigné, au fait. Mais toujours, est-ce qu'ils sont cousins en Afrique? Oui, ils sont cousins. Ouais. C'est même à Djoukou. Oui, mais ils ne se fréquentent pas assez. Ah, c'est chaud. Très bien. Christian? Oui. Ça va? Je pense pas. Ouais. Est-ce... Je pense pas. Ouais. Est-ce que tu serais prêt à venir sur ce plateau pour parler avec Célania ? C'est vraiment difficile. Ouais, on sait. Je ne m'y attendais pas. Je pensais à une surprise. Vraiment pas de ce genre. Je ne sais pas si j'aurai le courage. Tu ne sais pas si tu auras le courage de venir sur ce plateau ? Oui. D'accord. On ne va pas te forcer. Tu seras libre de rester là-bas. On va juste parler avec toi. D'accord ? Célania nous a dit que tu étais prêt à t'engager avec elle, à te marier avec elle. Oui. Mais elle voulait d'abord que tu saches ça, parce qu'elle ne voulait pas rentrer dans un mariage avec des mensonges. Ok. Ah, tiens, joli, comment ça peut déjà laisser le monde là-bas. Faut venir un peu à tes voix. Je vais affronter la caméra. Hein? J'affronte la caméra. Ah, donc il vient. Donc tu pourras venir? Oui, oui. Ah, super. Ouais. D'accord. Donc, je pense qu'ils vont te préparer pour que tu viennes nous rejoindre. Oh, j'avais trop mal au cœur. Oui. Bah, au moins, si il venait pas là. J'avais trop mal au cœur. Mais j'ai laissé voler ton mari. Oh, viens, chouette, maintenant. Non, mais je me disais, il faut absolument qu'il vienne, en fait, pour écouter. Il y a quelqu'un qui a dit qu'Aurélie a toujours Lotus. Ouais, ben moi, j'en ai toujours, parce que je suis tellement émotive que souvent, on ne sait jamais. Oh, Yako. Une petite larme peut sortir par-ci, par-là. Donc, il faut toujours avoir ses armes. André, c'est moi, monsieur, la fille, mon cœur bat comme ça. Moi aussi. Non, voilà, ça a arrêté là, dans un temps, c'est moudé. Monsieur Mellege, viens.
Bonsoir. Bonsoir, Mélède. Ça va, Mélède? Ça va très bien. Ça va? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu vas faire un câlin à Célania? Pas de problème. Ça d'accord. Waouh, il est gentil, le mec. Il lui a fait un bisou. Vas-y, hein. Vas-y. Et pas trop t'approcher de moi, faire ta fête trop compliqué. Par l'enfant des poissons. Ça va, Mélède? Oui, ça va très bien. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation, parce que je sais qu'on t'a appelé, on t'a dit qu'il y avait quelque chose pour toi ici, il y avait une sorte de surprise, tu ne savais pas du tout, tu ne savais pas ce que c'était, mais tu es venu, parce que c'est NCI et que c'est une chaîne crédible. Célania, ici, nous a parlé de votre relation que vous aviez avant, qui a dû s'arrêter. Et maintenant, après, elle s'est mise en couple avec quelqu'un qui est un de tes cousins. Et tu ne le savais pas? Elle non plus. Aujourd'hui, elle se dit, avant d'accepter une relation avec toi, il faut que tu saches tout. C'est ça, une femme forte, une femme transparente, une femme claire, comme on dit. Je ne sais même pas ce que je lui ai dit. Parce que du coup, je ne m'attendais même pas à ça. Et c'est déjà fait. Ouais. Est-ce que tu n'as pas envie de savoir le cousin, c'est qui, si vous êtes vraiment proche ou pas? Au contraire, on va en savoir. Mais est-ce que ça va... Mais tu le connais... Enfin, vous êtes proche avec ce cousin-là ou... Mais il ne sait même pas c'est qui. Voilà. Le truc, c'est qu'il ne sait même pas c'est qui. Et comme on ne veut pas dire le nom de la personne... Mais tu peux te décrire au moins pour qu'il puisse... Est-ce que tu es content de savoir la vérité? Ça fait du bien de savoir la vérité, parce qu'au fond, je suis vraiment véridique. J'aime qu'on marche la franchise. Oui. Mais toi aussi, est-ce que tu lui avais posé la question de savoir qui est le père de ton enfant? Ça t'intéressait quand tu es revenu vers elle? Oui, oui. Parce que j'ai essayé de lui demander. Bon, elle n'arrivait pas à me dire. Donc, je lui ai dit OK. Elle nous a un petit peu expliqué les conditions de votre séparation. D'accord. Elle nous a dit que tu lui avais fait quand même beaucoup de mal. Et après ça, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Elle a repris sa vie naturellement. Et aujourd'hui, comme on va dire, tu tombes un peu comme un cheveu dans la soupe en disant que tu souhaiterais revenir vers elle. Est-ce que cette information qu'on vient de te donner va t'empêcher d'aller, de concrétiser les choses avec elle ou finalement, tu fais un pas en arrière? Vraiment, c'est une question délicate, hein. Mais Kédio, oui, tu as donné gouma à ma fille, là, non? Oui, allons d'abord sur le gouma. Tu as donné gouma à ma fille ou pas? La vie qui t'a agbassé, la glace, là, elle finit comment? Tout ça, nous, on veut savoir aussi. Il faut parler. Il faut qu'on dise que tu es trop victime, André Jean. Non, mais du coup, ça fait un peu mal de l'entendre sur un plateau comme ça. Ouais. Ouais, bah ça. Parce que je ne m'attendais même pas à un truc de ce genre. J'ai réfléchi jusqu'à. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi une autre fille par rapport à Célania? Ça aussi, c'était vraiment difficile. Pourquoi? Parce que l'autre. Elle avait vraiment. L'expérience? Beaucoup plus. Beaucoup plus, comment? En fait, je me suis attaché rapidement sur le physique. Ah, elle faisait l'amour bien? Mais elle était comment il rit? Mélède! Non, il a dit qu'il s'attache au physique, voilà. Oui. Il a une poitrine. C'est un canon, hein? Hein? Ouais. Yeah, mais... Tu avais dit ça ici sur le plateau, là? Mais oui. On va essayer de tout gâter en même temps. Ah voilà. Mais le but, c'est pas de gâter non plus. Hein. Gâter, non, quand il dit gâter, c'est de mal de parler. Il a raison. Il lui aussi veut se défouler. Voilà, d'accord. Il a dit pour elle. Voilà. Donc, du coup, moi aussi, je lui ai dit. D'accord. La fille était vraiment canon. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles canon? C'était mais... quoi le. Tout. Elle était belle. Et toi, tu l'as regardé. Très. Comme qui parmi nous ici? Mais comme qui? Quel comportement belle, hein, elle a pu avoir qui a pu t'emmener à regarder une autre femme à cette époque-là? Il dit, elle est en forme, c'est en forme. Je n'ai même pas. Non, moi, je ne cherche pas les filles en forme. Ok, laissons-le, il va. C'est arrivé comme ça parce que... La chair est faible, on va dire? Ouais, je sais pas. Ah. Du coup, je ne me suis même pas rendu compte, mais bon. Elle et moi, on a eu quelques disputes. Après ça, bon, je suis parti en voyage. Dans ça, j'ai rencontré quelqu'un. C'est vite allé. Enfin, je n'ai rien compris, c'est vite allé. Non, d'accord, ok. Non, mais là, Jibi, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour que tu as dit que vous avez fait des petites disputes et tout? Oui. Mm-hmm. Voilà. Et maintenant, après, tu as laissé l'autre. Il faut reconnaître que chair a été faible, c'est tout. C'est ce que je veux dire. Oui, d'accord. Mais aujourd'hui, tu regrettes aujourd'hui? Ah, je regrette. C'est pour ça que tu es revenu vers elle. Oui.
Mais du coup, ouais. Quelles sont les qualités que tu lui trouves à nouveau pour revenir vers elle? Parce que tu aurais pu rencontrer n'importe qui. C'est l'année, c'est une fille qui est vraiment soumise. OK. Elle respecte beaucoup. Mm-hmm. Elle essaye de toujours m'emmener à comprendre. Mm-hmm. Et par contre, l'autre, elle était très imposante. Ah, bon. Elle veut montrer que c'est elle qui domine à tout moment. C'est vrai qu'il te fait bien. Donc j'ai regardé jusqu'à quand j'ai dit, bon, tournez. Là, je ne suis pas supporté, je suis un homme. Ouais. C'est impossible même. Donc j'ai pris la peine de réfléchir. Et partout où je passais, c'était un peu lent. Donc j'ai réfléchi. Elle ne portait pas bonheur dans tes affaires? Pas vraiment ça, mais bon. J'ai dit non, je vais retenir en arrière. Parce qu'avec elle, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, c'est... Je l'aime. Tu l'aimes. On va applaudir ça. Oh, c'est pas possible, tu es mignon, monsieur. C'est gentil de ta part. Ma fille, il t'aime au nia. C'est fini. Les filles, attendez. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour toi? C'est pas suffisant. Parce que qu'est-ce qui veut dire qu'il ne veut pas refaire la même chose? On dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, donc... Mais est-ce que toi, tu l'aimes? L'amour n'exclut pas la vigilance, c'est si Lania, je peux dire comme ça. Tu esquives. Est-ce que tu l'aimes? La réponse est oui ou non? Si, je l'aime. Ben voilà. Oh, c'est un doux amour. C'est chou, Mais tu n'as pas répondu à ma question de tout à l'heure. Laquelle? Est-ce que le fait qu'elle ait eu un enfant avec quelqu'un de ta famille t'empêche d'aller jusqu'au bout de ce que tu as commencé ou te fait faire marche arrière maintenant? En premier, je veux d'abord savoir avec qui. Parce que c'est vraiment très difficile. Ouais. Moi, je pense que... C'est vraiment très difficile parce que je ne sais pas. Moi, je vivais avec quelqu'un, avec mon frère. Et puis après, du coup, il est parti. Bon, je veux savoir si c'est celui avec qui. Non, ce n'est pas lui. Mais elle peut dire le nom et puis... C'est un cousin éloigné. Ouais. Mais vu que déjà, c'est mon cousin, il y a un blocage là. Vous n'êtes pas cousin germain, vous êtes cousin éloigné. Même mais si... C'est... Le blocage, ce serait quoi? Ce serait personnellement ou ce serait plutôt familial? Familial. Ouais. C'est ce que je te disais. Ce serait familial. Familial. Ouais. Pour moi, je peux décider l'enfant. C'est un bonheur. Ouais. Donc du coup, je peux m'adapter. Et puis, essayer de gérer ça. D'accord, OK. C'est Lania et Melech Sem. Nous aussi, on vous aime, on vous offre une pub. Je vous l'ai dit en début d'émission, il faut être zen. Parce que si on n'est pas zen pour suivre l'émission Les Femmes d'ici, ce n'est pas facile. Il faut être zen, il faut être relax, il faut boire beaucoup d'eau parce que ça fait du bien à la santé. Nous sommes avec Christian Melej et Zia Selania. Si vous aussi, vous avez des aveux à faire, vous avez des confessions à faire, de quelque nature que ce soit, vous nous appelez, vous nous écrivez sur WhatsApp aussi, sur le numéro qui s'affichera à l'écran. Melej, pendant la pub, on s'est dit qu'il fallait que Selania nous dise le nom de la personne, afin que tu saches en fait que tu as une décision vraiment à prendre. Donc je vais te dire son nom à l'oreille. Okay. C'est impossible. Aïe. Non. C'est pas possible. Tu ne veux pas que ce soit lui? Assieds-toi bien. Mais je connais pas. Non. Est-ce que vous êtes proche de ce... Vous êtes proche en... Est-ce que tu es proche personne. De lui ouais. Voilà, tu es proche de cette personne. Mais j'ai vécu avec... Oui. Pendant longtemps. Oui. C'est de lui tu parlais là. Non. Est-ce que pendant la relation, il savait que tu... Pendant que tu étais avec elle, est-ce qu'il savait que tu sortais avec elle? Pendant les 4 ans de relation avec... Il savait? Je sais pas. Mais est-ce que tu te rends compte que ces deux personnes-là n'avaient pas l'information? Enfin, lui, il ne savait pas que Selania et toi étiez ensemble.
et Célania ne savait pas que c'était son cousin. Est-ce que ça, ça a un effet sur la nouvelle que tu apprends aujourd'hui? Oui. Parce qu'ils ignoraient, ils ne l'ont pas fait consciemment en voulant... Après, ça dépend. Tout va dépendre d'elle, parce que c'est elle qui doit me dire comment ça s'est passé. Célania, dis-lui. On vous laisse parler tous les deux. On était à la maison un de ces quatre matins et il fouillait dans sa galerie, au fait. Et comme j'étais au-dessus... Il veut savoir plutôt comment vous vous êtes mis ensemble. Comment on s'est rencontrés? Bon, c'était en pleine rue. Hein. Voilà, vu que j'étais chez un frère, voilà, et il m'avait remarqué dans le quartier. Et c'est comme ça, un jour, dans la rue, quand je partais au marché, au fait, il m'a accosté. Voilà, et on a échangé. Moi-même, dans les débuts, je ne voulais pas. Mais il a insisté, il a persisté. Et puis, bon, après, on a essayé de tenter quelque chose et puis c'est parti comme ça. Est-ce que tu peux lui dire pourquoi aussi tu l'as laissé, ce qui t'a fait subir? Peut-être qu'il va le savoir. Explique un peu les conditions de votre relation. Bon, ton cousin, il est nerveux, au fait. Il est nerveux et puis, cause même pourquoi je l'ai quitté, il me battait. Je ne supportais pas à chaque fois des bleus sur moi. J'en pouvais plus, donc j'ai préféré stopper tout ça. Et pendant la grossesse, tu n'étais plus avec lui? Non, je n'étais plus avec lui, j'étais en famille. Tu as accouché sans lui? Oui, j'ai accouché sans lui. Mais néanmoins, il est venu voir l'enfant. Mettre son nom sur l'enfant? Oui. Est-ce qu'il s'occupe de l'enfant jusqu'à présent? Oui. Il envoie de l'argent pour s'occuper? Oui, oui. Il voit son enfant quand même? Oui. Christian, mais moi, je ne me déplace pas. Christian, tu veux parler à Célania? Je n'ai même plus de mots. Parce que je suis en train de réfléchir. Avec la décision que j'avais voulu prendre, est-ce que ce sera possible de continuer? Est-ce que tu veux continuer? Je suis mélangé. Ouais. Est-ce que... Tu as mélangé à cause de quoi? La demande en mariage qui t'avait faite, comment c'était? Essayons de faire revivre tout ça pour peut-être lui donner le courage de reprendre là où vous avez laissé. Bon, moi-même, j'étais choquée, au fait. Et puis, je n'y croyais plus. Oui. Avec tout ce qui s'est passé, parce qu'il m'a beaucoup blessée, au fait. Ouais. J'ai beaucoup eu mal, donc je n'y croyais plus. Je ne pensais même pas qu'il allait revenir vers moi encore. Mm-hmm. Alors, et comment il t'a demandé en mariage? Il est venu à la maison. Ça m'a étonnée. Il a frappé à la porte. C'est ma nièce qui a ouvert la porte. Mm-hmm. Et puis, elle a dit... qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Christian. Elle dit, tout le monde s'appelle Christian. En tout cas. Elle a dit, Mélège. Elle dit, c'est quel revenant qui est venu à la maison. Là. Donc, je viens à la porte et puis je le vois. Il me demande si on peut parler. Je dis, bon, tu vas me dire quoi d'extraordinaire, au fait? Il dit, je veux qu'on parle franchement. En fait, oui, je dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc, viens t'asseoir, qu'on en parle. Donc, il est rentré. On a parlé, et il m'a demandé qu'il s'est excusé d'abord. On a parlé longuement, il s'est excusé, nanana. Là, il a mis son genou à terre ou bien comment il a fait Oui, il a fait ça. Mais s'il vous plaît, un enfant de l'opou, reste un enfant de l'opou. Ah bon, je suis de l'opou, vraiment. Hein? Henri, c'est intéressant parce que quand je me rappelle de ce moment, c'était vraiment, ça venait du cœur. Et du coup, je me suis dit que j'allais laisser le temps parce que je lui ai fait vraiment mal. Donc, avec le temps, ça allait passer. Parce qu'il n'arrivait même pas à répondre. Mmh. On va passer à la date parce que je suis pas venu pour faire encore go et gars. Non. Mmh. Je veux qu'on parle. Donc, tu as mis ton genou à terre pour nous. Oui, tout à fait. Oh, tableau! Ça sent dit, on devait gagner le match. Et puis, Nomela Djibril a levé son doigt comme ça. Maintenant, c'est bien. Ah ouais, c'est vous, hein. Du coup, c'était comme ça. Ouais. Ouais, ça venait du cœur, bon. Et puis... T'as donné quoi? T'as donné une rose? Mais après ça, nous sommes sortis. Oui. Ah. Ensuite, fais-nous rêver. Waouh. Ensuite? Bon, je lui ai dit, j'allais venir la chercher la soirée. Donc, je suis rentré. Après, je suis revenu. Je suis venu devant sa porte, je lui ai demandé si on pouvait aller dîner. Elle ne voulait pas. Elle fait un peu... Ce malin chichi, ouais. Et si je suis devenu fou, faire un reparti. Tout ce que j'ai tenté de faire, il n'y a pas m'énerver pour mes déchets. Est-ce que tu sais qu'elle part d'une bonne attention? Elle va continuer, Aurélie. Donc du coup, elle a accepté.
Nous sommes partis, on s'est assis. Et j'étais vraiment heureux. En tout cas, parce que ça venait du cœur. Mm-hmm. Voilà. Quand tu fais quelque chose, que ça vienne du cœur, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc ça a été pour moi un moment inoubliable. Wow. C'est magnifique. Hey, vous voyez comment l'amour est beau. Vous allez ensemble, l'amour. Hein. Oh, c'est trop doux. Non, je disais que c'est l'intention qu'elle a de venir justement aux yeux du monde entier t'avouer ça. Ça vient du cœur. Ce n'est pas, c'est mon avis, bien sûr, mais ce n'est pas pour te faire du mal. Au contraire, c'est parce qu'elle veut repartir, je pense, sur de bonnes bases. C'est vrai qu'il y a l'amertume, il y a un petit peu de colère encore en elle. Mais elle tient quand même à ce que toutes les choses soient mises à plat pour que vous repartiez de plus belle. Et ce qui est bien, c'est que, comme je dis, elle n'a pas fait exprès de sortir avec quelqu'un de ta famille. Oui. Toutes les femmes, même si moi je dis mon ex, son cousin vient me draguer, je ne vais pas vouloir. C'est une question de principe. Bien sûr. Donc elle n'a pas fait exprès. Mais aujourd'hui, elle te l'avoue en face de nous, en face du monde. Est-ce que tu serais, comme dit, prêt à aller de l'avant, sachant que ce serait dommage de briser cette belle avancée que vous avez faite? Même si la question est longue, tu peux répondre. Oui. Je fais un résumé pour qu'il facilite, ouais, à mieux comprendre. D'accord. Comme je l'ai dit, c'est une histoire de famille. C'est ça. Et là, ça devient très compliqué parce que pour moi, la décision revient d'abord à ma famille. D'accord. Parce que je vais exposer le problème. Mm-hmm. Et en fonction des dits, on verra. D'accord. Mais Chris, tu fais fête des générations? J'ai fini la fête depuis. Lui, il fait. Qui est lui? Oui, le fameux. Il a fait. Ah, donc c'est vrai que c'est là où il y a posé le problème. C'est là, voilà. Les alliances, en fait. Oui. Parce que chez vous, il y a beaucoup de ça. Voilà. Hein. Parce que j'ai pensé à ça pendant que tu parlais. Mmh. Non, pour éviter qu'il y ait des malédictions, voilà, pour éviter qu'il y ait des morts subites. Et puis encore, il y a l'enfant qui est là. Donc, femme des gens. C'est voilà. Délicat, effectivement. Ouais, c'est vrai. Ça, mais est-ce que toi, Célania, si jamais, avec ce qu'il pose comme problème, hein, on ne veut pas être des oiseaux de mauvaise augure, mais si jamais c'est plus possible avec ça, qu'est-ce que toi, tu ferais? De toutes les façons, je me suis habituée à rester un peu seule. Donc, oh, si, mais si, non, dis pas ça. Dis pas ça. Si c'est pas le cas, bon, non, ça me touche. Ça va aller. Ce sera le destin. Ce sera le destin, puis je vais essayer de surmonter encore. Est-ce que toi, ta famille savait que les deux étaient parentés? Non, je ne savais pas. Ta famille ne savait pas non plus. Mais comment tu penses qu'ils vont réagir? Je n'ai pas encore parlé. Ah ben là, c'est bon. C'est maintenant, hein, qu'ils vont découvrir. Ils savent déjà, là. C'est la télé. Mais néanmoins, ils savent que je suis venue ici. Bien sûr, oui. Tous les invités, généralement, savent que leurs parents... Mais Kadi... Enfin, leurs parents savent qu'ils viennent. Kadi, ouais, okay. Demande-lui si le fameux papa de son enfant sait aussi qu'elle est Alex. Oui, ah, lui, il sait. Oui, oui, il sait. Ah ben lui, il n'a pas de problème, je suppose. Non, il n'a pas de problème. Dija, dis-nous ce que tu penses de tout ça. Non, moi, j'ai un peu de peine de l'entendre dire qu'elle est habituée à la solitude et que si ça ne marche pas... moi, j'ai envie de vous dire, battez-vous pour l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour conjurer le mauvais sort si jamais il y en a. C'est ça, un sacrifice. Et si vraiment vous vous aimez et que vous envisagez sérieusement de vous marier, battez-vous pour l'amour que vous avez. Quoi. C'est... Voilà. Tu l'aimes encore, malgré tout ça? Oui. Est-ce que l'amour disparaît? Est-ce que tu peux la regarder en face et lui dire que tu l'aimes? Tu peux te lever, tenir sa main, on veut voir aussi. C'est fou. Non, mais écoute, on veut voir les émotions. Moi, je veux voir comment vous vous aimez, là. Mais en fait, moi, ce qui me... Ce que je ne vois pas depuis, c'est que... Il ne regarde pas. Non, c'est pour ça que j'insiste. Non, il ne faut pas dire choses. C'est Christian. Ah... Non, je conclue que... Non. Vous avez... C'est ça. Alors, mais là, ce que je dis, c'est que je remarque que tu ne regardes à aucun moment Célania. Justement. Oui. Peut-être que si tu la regardes, tu vas sentir l'amour. Oui. Ah, donc tu es célébrée. Moi, je sais que vous allez vous remettre ensemble. Allez, on est presque à la fin de cette émission. Célania, est-ce que tu as quelque chose encore à dire à Meledj? Je sais même pas. Je sais pas quoi lui dire, au fait. Juste qu'il a laissé de grosses plaies en moi. Voilà, il a laissé de grosses plaies en moi. Et même si
c'est pas que c'est une histoire de famille. Ouais. Certes que je l'aime, mais ça serait un peu difficile au fait d'essayer de recoller certains morceaux. Mm-hmm. Parce qu'il y a une grosse plaie qui est là, au fait. Ok. Voilà. D'accord. Mais tu n'as personne dans ta vie en ce moment, hein? Non, personne. D'accord, ok. Et je pense que si tu l'as fait, c'est parce que tu l'aimes. C'est ça. Tu ne serais pas là. On peut laisser pour toi ma petite. Mais là, mais ça va aller. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment? Non. D'accord. Oh. C'est bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Célania? On la regarde. Avec tout l'amour que j'ai, et ça me fait vraiment mal. Je vais essayer d'en parler avec ma famille. Demander là. Oui. Voilà, quand l'émission va finir, elle est partie à la maison dans la même voiture, dans la même tête, tu as lui bailler un peu dans les oreilles là. Mais ça, c'est foutaise. Vous êtes en ligne. Attends, attends, il est terminé. Pourquoi c'est foutaise? Ah, mais dis. Ah, t'as dit quoi? Moi, mais elle le cherchait même. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Lui parler des mots, puis comme il frappait ta chérie là. Et puis sûrement il était jaloux de toi, lui il savait, il est passé des choses. Je sais qu'il savait, puis il a dit, ta voiture là. Il a dit, il y a dedans, non? Tout ça, la luz. Oh, il y a ce petit plateau. On va aller ensemble. Arriver là-bas, on aura le temps de discuter et puis on va voir comment ça va se passer. D'accord. Parce que si la nuit, là, vous parlez. Après l'émission, ma chérie, après l'émission, la bébé va rester à la maison. En tout cas. Sur ton mari, tu as calmé un peu son haut. Voilà. Puis, hein, c'est la nuit, la chérie, la chérie, chérie. Dans la villa, chaque nuit, il y a son téléphone dans les manicots. Voilà, c'était l'histoire de Célania et Christian Mélège. Je rappelle, le numéro va s'afficher une fois de plus. Merci Célania, merci pour le courage que tu as pris, merci d'avoir osé et surtout merci pour ta franchise parce que beaucoup de personnes n'auraient pas osé en fait, faire ce pas-là. D'accord ? La franchise, ça libère de tout, quelle que soit la solution, quel que soit ce qui va décider, mais au moins tu es libre. Ça, c'est le plus important. Mélège, oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. On sait que c'était gros. Comme coup, mais voilà, c'est la vie. Dieu voulait que tu sois sur le plateau des femmes d'ici. De toute façon, on savait pas même si un jour tu allais être ici. Ah non, mais jamais. Si on dit femme d'ici, garçon vient. Ah. Merci beaucoup. Oui. On te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force et surtout beaucoup d'amour. Il faut que tu aies beaucoup d'amour pour supporter ce qui se passe en ce moment. C'est l'amour qui guérit tout. C'est l'amour qui peut tout, comme Aurélie le dirait si bien. Si tu as besoin de conseils en amour, si tu as besoin d'avoir beaucoup de force pour aimer, appelle Aurélie. Elle a beaucoup d'amour. À revendre. D'accord. Si tu veux savoir comment tu as géré. Si tu veux savoir comment bien faire l'amour et tout, appelle Yasmine. Wow. Voilà. Si tu veux savoir aussi comment comprendre, comment gérer la difficulté, comment gérer les crises et tout ça, tu appelles Dija. D'accord. Et tout. Et puis maintenant, si tu veux entreprendre dans la vie, ben appelle-moi. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Mélège et Célania. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Portez-vous bien. Bye bye bye. Mouah, mouah, mouah. Bye, bye, bye.